Bonjour, bienvenue à tous. On va démarrer cette réunion qui est diffusée sur Facebook Live, mais également sur notre application GoToWebinar. C'est le deuxième numéro de ce type de réunion d'émission en direct interactive qu'on réalise depuis le 23 juin, depuis le 24 juin précisément, date de la décision par référendum du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Vous savez qu'en conséquence, les marchés financiers ont connu quelques soubresauts dans les jours qui ont suivi cette décision. Une décision qui n'est pas encore d'ailleurs traduite dans les faits, puisque le Royaume-Uni est toujours un membre de l'Union européenne. Et puis quelques jours suivant cette décision du peuple anglais, une seconde crise s'est déclenchée. Une crise immobilière qui a touché notamment l'immobilier de bureaux londonien. Alors il est vrai que le marché des bureaux à Londres était déjà dans l'œil du cyclone depuis un certain temps. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs français spécialistes de la gestion de fonds immobiliers se tenaient à l'écart du marché londonien puisque on savait depuis un certain temps que les biens immobiliers de bureaux à Londres étaient probablement surévalués. Ils avaient connu un pic de 50% de croissance de leur valorisation depuis le creux de la crise 2008. Et donc un certain nombre d'acteurs s'en tenaient à l'écart. Ce qu'il s'est passé, pour rappeler un peu le contexte, c'est que un certain nombre de détenteurs de fonds immobiliers investis notamment à Londres ont craint que, suite au Brexit, un certain nombre d'acteurs financiers décident de quitter la place financière londonienne. Il s'est avéré, dans la suite, ça s'est passé à peu près une dizaine de jours après le Brexit, une dizaine de jours après, un certain nombre de fonds immobiliers londoniens, comme celui de M&G, comme ceux de M&G, comme ceux de Standard Life, etc. Il y avait pour être tout à fait précis, sept fonds qui ont décidé d'empêcher en fait leurs investisseurs de pouvoir céder pendant une certaine durée, de fermer en fait la possibilité de sortir de ce fonds et ont bloqué la liquidité. Et donc on a pensé que dans ce contexte, il était intéressant d'essayer de vous expliquer ce qui se passait, quelles pouvaient être les conséquences en France de ces décisions-là, mais également de comprendre quel pouvait être l'impact pour votre épargne, pour les placements que vous avez éventuellement en dehors de bienprévoir.fr, mais également chez bienprévoir.fr par l'intermédiaire, par exemple, de sociétés civiles de placement immobilier, d'OPCI et autres fonds immobiliers. Donc on a voulu essayer de vous apporter ces réponses-là aux questions que vous pourriez nous poser tout au long de cette émission qui va durer 30 minutes. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de balayer dans un premier temps les principales questions. On va aller du plus général au plus particulier. On va commencer avec Jonathan Lévy à se poser la question de comprendre si l'éclatement de la bulle londonienne présente un risque systémique pour le marché financier en Europe notamment. La question, effectivement, mérite d'être posée. C'est une bonne question. On ne l'a pas préparé, hein, comme vous l'imaginez. Oui, pourquoi? Parce que ça rappelle quand même étrangement ce qui s'est passé en 2008. 2008, c'est la crise des subprimes, une des plus grandes crises qu'on ait connues avec la crise de 1929. Donc évidemment, c'est un scénario noir que tout le monde a en tête, hein, sur les marchés financiers. La crise des subprimes avait provoqué une faillite ou un risque de faillite dans l'ensemble des banques sur la planète, aux États-Unis bien sûr, mais également en Europe, comme on l'a vu. Lorsqu'il y a une crise immobilière dans un pays, il y a toujours une conséquence bancaire. Pourquoi? Parce que faut savoir que dans le bilan des grandes banques, si on prend les banques françaises, par exemple, près de 55-60% de leurs encours de crédit sont des encours de crédit immobilier. Donc s'il y a une crise immobilière et que les clients qui ont emprunté ne peuvent pas rembourser leur crédit, ça posera un problème majeur dans les banques. Et donc, on peut se poser la question si ça arrive que les banques soient asséchées et que finalement elles contribuent elles aussi au ralentissement, à une éventuelle récession qui pourrait y avoir au Royaume-Uni. Mais là, l'immobilier de bureau à
à Londres est essentiellement détenue par des investisseurs institutionnels. C'est d'ailleurs eux qui ont été le plus gênés dans l'impossibilité de retirer leurs fonds. Donc finalement, ce n'est pas l'épargnant anglais qui est en risque, qui ne serait pas en mesure de rembourser son crédit. Est-ce que finalement, ce n'est pas un sujet qui est différent de celui qu'on a connu en 2008, où là, les Américains ne parvenaient plus à rembourser leur crédit immobilier? Là, on est sur un marché des bureaux. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est le marché des bureaux. Les marchés sont assez différents. Ils sont plus ou moins déconnectés, mais enfin, on ne voit pas quand même comment il pourrait y avoir une baisse sensible, significative du prix des bureaux et sans que cela ne touche le prix de l'immobilier locatif, d'habitation. Forcément, à un moment donné, les prix vont suivre. Et donc, ça entraînerait des problèmes dans le bilan des banques. Donc, on en revient quand même à ce que je disais. Ce risque-là pèse sur les banques anglaises. D'ailleurs, si vous prenez par exemple RBS, la Royal Bank of Scotland, l'action a baissé de près de 40% depuis le Brexit. Donc ça prouve que c'est un scénario que le marché a en tête. Alors nous, par rapport à ça, on pense que ce scénario noir est surévalué par le marché, parce qu'aujourd'hui, les banques centrales sont à la manœuvre, beaucoup plus qu'elles l'étaient en 2008. En 2008, elles ont mis beaucoup de temps à réagir. Les politiques ont mis beaucoup de temps à réagir, à réaliser en fait de l'ampleur de la crise. Là, il y a déjà beaucoup de mécanismes qui existent, qui ont été mis en place suite à la crise des subprimes et des dettes souveraines de la zone euro. Donc on ne pense pas que ce mécanisme s'opère de nouveau aujourd'hui en 2016-2017. D'autant que lorsque ce scénario s'est avéré 2007-2008 et que les investisseurs ne pouvaient pas retirer leurs fonds de leur placement monétaire, on a bien conscience que lorsqu'on investit dans des fonds monétaires, on veut pouvoir retirer ses fonds à tout moment, alors que dans l'immobilier, tout le monde a quand même conscience qu'a priori, on ne retire pas ses fonds dans l'immobilier du jour au lendemain. Vendre un bien, un appartement, tout le monde a bien conscience que ça ne se fait pas du jour au lendemain, alors a fortiori lorsqu'il s'agit de bureaux. Donc c'est quand même un peu différent dans ce contexte-là, on n'a pas a priori un risque équivalent avec un impact aussi important que celui qu'on pouvait avoir pour les investisseurs à l'époque qui étaient investis sur des monétaires qui ne pouvaient plus retirer leurs fonds de placement monétaire. Oui, on aurait pu craindre que en fait, la crise immobilière, la crise sur les fonds immobiliers ait une répercussion sur les activités monétaires, sur les fonds monétaires, hein, par le canal de transmission serait les banques. Si les banques ont des difficultés, ben, au final, les fonds monétaires finiraient par avoir une difficulté. Et en fait, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur le marché, ça c'est plutôt rassurant parce que sur le marché monétaire, il n'y a pas eu de tension du tout suite au Brexit et il n'y a pas eu de tension du tout suite à la fermeture des 7 fonds qu'on évoquait ici. Donc cette répercussion à la sphère financière semble assez limitée aujourd'hui pour les banques anglaises et puis plus généralement pour les banques de l'Union européenne ou de la zone euro. D'accord. Donc, a priori, les banques vont continuer à souffrir, en tout cas le secteur bancaire, hein, si on comprend bien, en tout cas, il y a des incertitudes sur le secteur bancaire. Passons maintenant un petit peu en revue les différentes classes d'actifs qui peuvent être concernées directement, voire indirectement, par le sujet de l'immobilier londonien. Donc, beaucoup d'investisseurs français ont placé leurs fonds ces dernières années. La collecte a été très forte sur les véhicules qu'on appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, voire également de façon plus marginale sur les OPCI, qui sont des véhicules assez proches des SCPI, mais avec une poche de liquidité plus importante que sur les SCPI. Donc, quel va être l'impact? Quel est l'impact? Je le disais en introduction, a priori, les gérants d'actifs français se tenaient à l'écart, même ceux qui ont une stratégie pan-européen d'investissement. Donc, on a compris qu'ils se tenaient à l'écart de l'immobilier londonien parce qu'ils le considéraient comme surévalué. Mais quel peut être l'impact aujourd'hui sur les SCPI que nous distribuons, que nos clients ont peut-être acheté ou celles qui peuvent acheter aujourd'hui à l'extérieur? Alors, le premier impact, ce serait s'ils avaient des investissements au Royaume-Uni. Les fonds que vous avez cités, les grandes maisons de gestion, par exemple Aberdeen Asset Management, pour les citer, ont déclaré qu'il devrait y avoir une baisse de 17%, voire 20% de la valeur des fonds immobiliers. Donc si des investissements avaient été faits par des SCPI françaises au Royaume-Uni,
bah, il est probable qu'il y ait une perte de valeur sur ces investissements-là, de cet ordre-là. Donc, on va dire a priori 20%, avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui. Hein. S'ils étaient investis à 100% sur l'immobilier londonien. En tout cas, voilà, sur la part investie sur l'immobilier londonien, il pourrait y avoir une baisse de 20% de la valeur. Alors, qu'en est-il, effectivement? On a fait le point un petit peu sur les grandes SCPI de la place, et puis celles que nous, on a proposées dans nos contrats d'assurance vie. Sofidy, par exemple, je commence par eux parce que c'est un acteur très important sur le marché, évidemment, hein, c'est un acteur qui compte. Imorant, par exemple, cette SCPI que beaucoup de gens connaissent, la capitalisation, c'est 2 milliards d'euros. Et Fimo, c'est 850 millions. C'est des SCPI importantes en termes de taille, en termes d'investissement. Eh bien, quand on a une taille aussi importante, c'est normal d'aller en dehors de France. Il faut trouver un terrain de jeu qui soit suffisamment large pour investir de telles sommes. C'est ce qu'ils ont commencé à faire il y a quelques temps. La part investie à l'étranger est relativement faible. Alors, pour l'instant, sur FIMO, on est à moins de 4% investi à l'étranger. Et sur Immorente, on est à 15% investi à l'étranger. Mais ils restent dans la zone euro. Ils investissent en Belgique, aux Pays-Bas. Ou en Allemagne pour Imorant également. Donc ils ne sortent pas de la zone euro, il n'y a pas d'investissement au Royaume-Uni, donc il n'y aura pas de lien direct de la crise immobilière au Royaume-Uni sur les fonds de ce pays. Et c'est le cas à peu près pour tous les grandes gestions qu'on a interrogées, qu'on a nous-mêmes distribuées. On peut citer la Française AM, ils n'ont pas d'exposition au Royaume-Uni, pourtant ils ont lancé plusieurs SCPI européennes. Hein, LFP Europimo, Europimo Market, ils n'investissent pas au Royaume-Uni, où ils ont d'autres SCPI, hein, où ils ont commencé également une européanisation de leurs investissements, mais ils ne vont pas au Royaume-Uni, comme vous le disiez, c'est pour des raisons de cherté du marché. Ils considèrent que le marché anglais, londonien est trop cher, donc il y a mieux à faire si on veut avoir du rendement sur cette classe d'actifs, l'immobilier. Il y a mieux à faire en Europe, en Allemagne, au Benelux ou dans des pays du nord de l'Europe, selon eux. Il y a un autre sujet aussi, ça beaucoup de gestions nous l'ont dit, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a un risque de change. Et d'ailleurs, ce risque de change, on le voit très clairement dans ce scénario-là, qui est intéressant, même s'il est malheureux pour certains investisseurs. Le risque de change se cumule avec le risque immobilier sur le sous-jacent. On a parlé de 20% de baisse des valeurs immobilières. Il faut rajouter à ça 10% de baisse de la devise. Pour un investisseur, un particulier qui ne serait pas couvert sur la devise, il cumulerait les deux risques. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il perd 30% de la valeur de ses investissements. La française, pour ces deux raisons, c'est-à-dire de ne pas aller au Royaume-Uni, donc sur tous les fonds, je parle immobilier, hein, ces pays, les pays de la française, il n'y a pas d'exposition. C'est le cas également de Primonial, qui a des emplois importants que nous avons beaucoup distribués. SCI Capimo, par exemple, hein, pour citer. Que c'est celle-là, mais c'est le cas pour toutes les SCPI de Primonial REIM, pas d'exposition au Royaume-Uni. BNP, pareil, pas d'exposition au Royaume-Uni. Périal, pareil, pas d'exposition au Royaume-Uni. Il nous reste un acteur important en France que nous avons distribué, qui est Amundi et qui a fait des investissements au Royaume-Uni dans un fonds qui est un OPCI, c'est Opsimo. Voilà, Opsimo, on allait venir, qui est le plus gros OPCI. Donc, du marché, du marché, voilà. Des particuliers en fait, hors institutionnel. Vous vous rappelez peut-être un peu comment fonctionne un OPCI par rapport à une SCPI? Alors les SCPI, elles sont investies complètement en immobilier, directement en fait, ils achètent des immeubles directs. Les OPCI, elles, sont plus diversifiées. Il peut y avoir jusqu'à, au minimum, pardon, 40% de valeur mobilière et 10% de liquidité. Dans les valeurs mobilières, on peut retrouver des valeurs foncières, bien que globalement, on reste investi sur la classe d'actifs immobiliers, mais au travers de véhicules différents. Il y a les investissements directs dans des bureaux, de l'immobilier commercial, lors de commerce par exemple, ou dans la santé. Donc ça représente au maximum 60% du portefeuille, et le reste, ce sera des investissements soit en obligations foncières, soit en actions cotées foncières. Les valeurs mobilières, elles sont beaucoup plus réactives. On voit que les prix, la valeur des actions foncières réagit très très vite. Par exemple, dans l'exemple du Royaume-Uni, elles ont baissé de près de 30% suite au Brexit, hein, depuis 2-3 semaines, 30% de valeur foncière. Sur l'immobilier non coté, il n'y a pas, par définition,
définition de valeur affichée. Ça dépend des transactions, il est trop tôt pour dire comment évolue la valeur. Et là, on peut se baser sur ce que nous disent les fonds immobiliers qui ont fermé, qui parlent de 20% de baisse de valeur sur cette partie-là. Donc pour Amundi, mais ça c'est vraiment nous qui faisons un calcul de quanta, donc prenez ça avec vraiment des pincettes, hein. On peut considérer que sur l'année, l'impact du Brexit sur Auximo sera de 2%. Ça a confirmé par la suggestion ultérieurement dans les mois qui viennent. Il pourrait avoir, d'après ce qu'ils nous disent, une compensation favorable, parce que par contre, dans les autres pays dans lesquels ils sont, il pourrait y avoir une revalorisation positive qui viendrait compenser la baisse sur le marché londonien. Et par contre, pour finir, on a distribué aussi également les CPI d'Amundi, Rivoli Avenir Patrimoine, Edissimo, qui sont également des gros navires, hein, qui dépassent le milliard de capitalisation, donc c'est des montants importants. Là, sur ces CPI-là, il n'y a aucune exposition au Royaume-Uni. D'accord. J'interviens, avant de passer à la prochaine question, justement pour vous proposer et vous rappeler que vous pouvez intervenir, poser vos questions, que ce soit via Facebook ou via l'outil GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions pour qu'on puisse répondre à la fin de cette session. Alors ensuite, pour avancer dans les différentes classes d'actifs, un autre type d'investissement sur lequel beaucoup de particuliers français sont investis, en tout cas parmi nos clients aujourd'hui, il s'agit des fonds en euros, donc dans le cadre d'un contrat d'assurance vie immobilier. Donc on en a très souvent parlé, on en parle assez régulièrement, on a beaucoup communiqué sur les fonds en euros, il y en a à peu près deux sur le marché aujourd'hui, Sécurité Pierre Euro et Euro Allocation Long Terme. Ces deux fonds ont la particularité d'être garantis en capital comme tout fonds en euros, mais de ne pas être investis sur des obligations d'État, mais bien sûr de l'immobilier d'entreprise, généralement de l'immobilier d'entreprise français. Alors, quelles sont leurs expositions, quelle est l'exposition des fonds en euros immobiliers à l'immobilier de bureaux londoniens? Alors, il n'y en a pas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, Sécurité Pierre Euro chez Suravenir Primonial ou Euro Allocation Long Terme chez Spirica. Il n'y a pas d'exposition à l'immobilier au Royaume-Uni. D'accord. Donc, il peut y avoir un risque induit derrière, mais a priori, il n'y a pas de risque direct. Il n'y aura pas d'impact sur la rentabilité de ces fonds-là. A priori, on devrait maintenir ce qui était prévu hors Brexit. En fait. D'accord. Donc, éliminons ce cas de figure-là, ce qui est rassurant. Quel impact après cela peut avoir alors, sur les actions, le marché des actions, qui peut sembler être assez éloigné du sujet de l'immobilier, et ensuite éventuellement sur les foncières, mais en tout cas sur les actions, sur le marché actions. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre le comportement des marchés actions en Europe et ce qui se passe et l'éclatement de la bulle immobilière à Londres? Alors, l'impact, il est plus lié au Brexit en général qu'à la crise immobilière. On a gardé les Grecs, mais perd les Anglais et le Royaume-Uni. Donc le Brexit génère beaucoup d'incertitudes. On a parlé en introduction des incertitudes politiques majeures sur la gouvernance au Royaume-Uni. Vous avez vu qu'il y a Theresa May qui va devenir Premier ministre demain, qui est membre du Parti conservateur, mais le parti est complètement déchiré. Il n'y aura pas d'élection puisque au sein du Parti conservateur, parce qu'elle est la seule candidate et il y a à peu près 200 députés qui votent pour elle. Donc elle a la majorité, mais il y a 150 000 membres du Parti conservateur qui ne vont pas pouvoir voter. Il faut savoir qu'elle, qui était partisan du Remain, du maintien dans l'Union européenne, elle est minoritaire dans le parti, puisque sur les 150 000 adhérents au Parti conservateur, 60% étaient pour le Brexit. Donc il y a un vrai sujet. Qu'elle va faire demain. Elle a dit qu'elle a négocié très dur des accords avec l'Union européenne. Tout ça crée un climat de confiance qui est perdu au Royaume-Uni. Donc il y a une crise politique majeure qui n'est pas levée parce que malgré la nomination de Theresa May. Et ça, les marchés actions détestent cette incertitude qui peut y avoir. Alors ça touche plus le Royaume-Uni lui-même que le reste du monde ou que l'Union européenne. Les impacts en termes de croissance sont
estimé à 0,1, 0,2% sur l'Union européenne, sur la zone euro. Donc c'est relativement limité. En fait, là, par contre, les impacts sur la croissance à court terme du Royaume-Uni sont très très forts, a priori. D'accord. Donc les actions vont rester volatiles du fait du Brexit parce que ça génère des incertitudes qui vont être plus ou moins vives hein, selon les périodes, mais ces incertitudes vont durer très longtemps. D'accord. Petite parenthèse, est-ce que sur les obligations, est-ce que les spreads, est-ce que les prix de risque ont bougé de façon consécutive à la crise immobilière londonienne? On sait qu'ils avaient bougé de façon immédiate suite au Brexit, mais est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre les primes sur les obligations d'entreprise et l'immobilier? Il n'y en a pas du tout. Non, encore une fois, c'est plus lié au Brexit en général que vraiment la crise immobilière, qui est juste une brique dans le contexte d'incertitude que je viens de décrire. Je vous rappelle, hein, l'impact du Brexit sur les taux, c'est une baisse très forte des taux d'intérêt des obligations d'État. Sur les obligations d'entreprise, dans un premier temps, celles qui étaient risquées ont vu leur taux monter. À l'inverse, ce qu'on appelle l'investment grade, les obligations de bonne qualité ont vu les taux baisser. Mais là, maintenant, même celles qui ont des taux dégradés ont vu leur taux baisser de nouveau. Et on est sur des niveaux de taux, quelle que soit la classe d'actifs obligataires, donc on est sur des niveaux de taux plus bas qu'avant le Brexit et donc qu'avant la crise immobilière au Royaume-Uni. Très bien. Une question qui se pose généralement, c'est est-ce que finalement la décision qui a été prise par au moins sept fonds immobiliers en Angleterre de fermer la liquidité, de fermer les sorties, est-ce que c'est une décision qui pourrait intervenir dans le schéma d'investissement de nos investisseurs particuliers, notamment les SCPI, que ce soit dans le cadre d'un achat de SCPI en direct, que ce soit dans le cadre d'un contrat d'assurance vie? Est-ce qu'on peut se retrouver demain, alors même si le contexte est loin d'être celui qu'on a à Londres, hein, il n'y a pas de bulle immobilière telle qu'elle on la connaît aujourd'hui sur le marché au Royaume-Uni, en tout cas ce n'est pas le cas en France, mais est-ce que demain on peut se retrouver dans une situation équivalente? Alors, techniquement, oui, les SCPI ne garantissent pas la liquidité. Il y a un risque de liquidité en fait sur des véhicules comme ça. D'ailleurs, quand vous regardez les documents contractuels, hein, il y a des avertissements qui sont écrits noir sur blanc qui vous disent que la liquidité n'est pas assurée, qu'il y a un risque de liquidité sur des véhicules dont le sous-jacent est l'immobilier. Par définition, sur l'immobilier, il peut y avoir un risque de liquidité. D'ailleurs, souvent, les décisions sont prises, ou ces décisions ont été prises, c'est pour protéger finalement l'investisseur, puisqu'en fait, laisser la liquidité totalement ouverte dans un cas où le marché s'effondre, hein, c'est peut-être aussi brader le patrimoine des investisseurs. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien lorsque ce genre de décisions sont prises. D'ailleurs, je crois comprendre que la loi en France va évoluer pour aller dans une protection supplémentaire et laisser la possibilité au gérant d'un moment de fermer la liquidité. C'est un peu le sens de l'histoire, je dirais, mais donc finalement, c'est aussi souvent une décision qui est prise pour protéger, pour pas réagir dans la panique, et pour protéger finalement le patrimoine des investisseurs, même si c'est évidemment peu confortable C'est d'être contraignant bloqué en sur fait. l'investissement. C'est une liberté en moins pour les investisseurs, puisqu'ils ne peuvent pas sortir au moment où ils le souhaiteraient, au moment où ils prennent peur sur la valeur de leur investissement. Mais c'est effectivement, comme vous le dites, c'est pour protéger le système en fait. Donc les investisseurs qui, eux, ont décidé de rester dans la SCPI ou dans les fonds pour éviter que le système s'effondre. La panique peut provoquer un effondrement des systèmes, donc du système. Donc la loi permet effectivement de rompre cet effet avec une décision qui est draconienne, hein, de fermer les fonds. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs que vous vouliez aborder peut-être avant de passer aux questions de personnes qui nous suivent? Ben, sur les fonds euro classiques, hein, parce que c'est quand même 1 350 milliards, je crois, en France, c'est presque un tiers ou un peu plus d'un tiers de l'épargne financière des Français. Les fonds euro classiques sont investis en obligations. Eux, on l'a dit avant le Brexit, hein, ils étaient très pénalisés par la baisse des taux, mais le Brexit et la crise immobilière a accentué, a accéléré en fait cette baisse des taux. Donc les difficultés qu'on avait avant le Brexit vont s'accélérer sur les fonds euros. La baisse des taux va s'accélérer. Donc les clients ont intérêt à aller sur, à mon avis, sur d'autres classes d'actifs
qui présentent une sécurité suffisante pour eux, mais dont le rendement pourrait être meilleur. Très bien, alors je vous encourage une fois de plus à poser vos questions. Donc là, on a une première question de Gaël qui demande s'il peut y avoir un intérêt aujourd'hui à se positionner sur l'immobilier en direct au Royaume-Uni pour profiter de cette baisse, un peu comme l'ont fait certains investisseurs opportunistes dans les années 2008, 2009 suivantes aux USA. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché, un, est-il accessible? Est-ce qu'on a accès au marché? Est-ce que le marché qui est concerné par la baisse, ce n'est pas seulement finalement les tours de la City? Comment on peut avoir accès? Est-ce que c'est est-ce qu'on a atteint un point bas? Est-ce qu'on est déjà en mesure de se prononcer? Je ne pense pas qu'on atteigne un point bas, en fait, de devises supplémentaires dont je parlais. Et moi, je n'irai pas aujourd'hui, malgré la baisse de 10% entre la livre et l'euro, la livre a baissé 10% par rapport à l'euro concrètement, mais malgré cette baisse, je n'irai pas encore sur la livre parce que on rentre dans une période d'incertitude pendant les négociations avec l'Union européenne. Ces négociations vont être dures pour tout le monde, mais surtout pour les Britanniques qui ont beaucoup plus à perdre que l'Union européenne. Ils cherchent à rentrer sur le marché ou à conserver l'entrée au marché unique. Je vous rappelle que notre marché unique, c'est 500 millions de consommateurs. Oui. Donc l'enjeu économique pour les Britanniques est absolument énorme. Il y a un enjeu donc directement pour les entreprises britanniques, mais il y a un enjeu également parce qu'il y a beaucoup d'entreprises hors Union européenne, des entreprises suisses, entreprises américaines, qui venaient attaquer le marché unique de l'Union européenne en s'implantant au Royaume-Uni. Dans la finance, par exemple, beaucoup de grandes banques américaines, banques suisses, avaient une licence bancaire au Royaume-Uni et après utilisaient ce qu'on appelle le passeport européen pour exercer leur activité dans le reste de l'Union européenne. Très probablement que pour les activités en zone euro, ça c'est fini. Donc ils vont perdre ça. On dit qu'il y a 285 000 personnes qui, dans la finance, travaillent sur des activités qui sont en risque de délocalisation. Donc le marché immobilier londonien et britannique risque de souffrir encore plus hein, dans les 2 ans qui viennent. C'est beaucoup trop tôt pour aller dessus. Y revenir à un moment donné, oui, mais certainement pas 2 semaines après la catastrophe. Il nous reste encore quelques minutes dans cette session. Alors, une autre question qui, en fait, on sort de la logique des SCPI. C'est Eric qui demande si on parle de certains secteurs de l'économie qui sont finalement protégés par les conséquences du Brexit. On parle du secteur santé. Est-ce qu'effectivement, le secteur santé, comme d'autres secteurs peut-être non cycliques, ont pu échapper à ce soubresaut lié au Brexit? Et je complète la question d'Eric, puisque effectivement, nous-mêmes, on a fait une analyse il y a quelques jours, on s'est rendu compte que on avait pris 4 actions majeures du secteur de la santé. Elles étaient restées positives entre le 24 juin et je crois le 6 juillet, alors que les marchés avaient tous baissé en moyenne de 9% sur la même période. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont protégés? On sort de la question immobilière, hein, on revient un peu aux conséquences du Brexit. Est-ce qu'il y a des secteurs protégés comme la santé, par exemple? Très clairement, il a raison. Le secteur de la santé est clairement à l'abri aujourd'hui des soubresauts du Brexit. Hein. Le CAC 40 a baissé, est encore en baisse par rapport aux jours d'avant le Brexit, alors que le secteur de la santé, comme vous l'avez dit, est en hausse. Il y a une décorrélation qui est très très claire. Investir sur le secteur de la santé aujourd'hui, c'est intéressant parce que il y a eu une correction par rapport à il y a quelques mois, donc on n'est pas sur des niveaux très élevés, et pourtant on pense qu'il y a un potentiel de valorisation qui reste important, D'accord. avec des risques moindres, donc c'est intéressant. D'accord, très bien. Autre question que nous pose Patrick, qui est, est-ce qu'aujourd'hui les SCPI de commerce sont peut-être une alternative aux SCPI purement immobilier de bureau? Et c'est vrai que c'est une question qu'on avait déjà abordée précédemment. Et faut-il le faire à crédit? Est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce qu'avec la crise de l'immobilier à Londres, est-ce que Patrick nous souhaite le fait que peut-être que les rendements vont baisser sur les SCPI de commerce? Pas nécessairement le lien, mais première question, et deuxièmement, est-ce que c'est intéressant de faire un crédit? Ça reste intéressant de le faire à crédit. Les taux baissaient.
les taux vont continuer à être bas, vont peut-être baisser encore. Le taux des crédits va probablement continuer à baisser. Emprunter à des niveaux bas pour le placer en SCPI, je pense que ça reste une bonne opportunité aujourd'hui. Alors, il faut avoir conscience que les taux des SCPI vont probablement baisser. Là, je rejoins un peu ce qu'il dit parce que il y a beaucoup d'investisseurs qui vont sur ce marché-là. Ça fait monter les prix, ça fait baisser les rendements. Il faut s'attendre à ce que les rendements baissent. Les rendements de 5% qu'on avait sur les SCPI risquent de ne pas tenir sur plusieurs années, mais s'ils restent au-dessus de 4%, ça reste tout à fait intéressant. Si on arrive à emprunter un coût deux fois moins donc, le taux de rendement qu'on a, c'est un montage qui me semble toujours pertinent aujourd'hui. Alors sur le bureau versus Oui, le commerce, commerce. Ce qu'on dit, c'est effectivement, on a beaucoup mis en avant les bureaux. Aller sur le commerce, c'est une diversification qui nous paraît intéressante. Mais pour nous, c'est une diversification. C'est pas ça ne doit pas être le seul véhicule d'investissement pour un client. Ok, une autre question, une dernière question, puisqu'on a presque fini la demi-heure. On a Catherine qui nous demande si aujourd'hui c'est intéressant d'investir. Vous parliez des primes de risque sur les obligations. Est-ce qu'il reste des possibilités d'investir sur les obligations aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant de cette manière-là? C'est une façon de se protéger, de sortir de la logique immobilière. Et donc, s'il y a des investissements sur les obligations, comment le faire? Quelles sont les solutions? Alors, sur les obligations, il reste des véhicules d'investissement intéressants, malgré la baisse des taux qu'on a observés, que j'ai décrits. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des fonds obligataires datés, c'est-à-dire que vous investissez dans un fonds et dès le début, vous savez qu'il n'ira pas plus loin que, par exemple, 2020, 2022. Donc, vous avez une échéance maximum et vous connaissez le taux hors défaut éventuel des entreprises. Vous connaissez le taux actuariel que vous allez avoir sur la durée. Donc ça, c'est une première façon d'investir sur les obligations. On a un taux aujourd'hui net de frais de gestion qui est autour de 3,5 hein, sur les différents fonds qu'on peut proposer. Donc 3,5% net. Après, il y a d'autres façons, c'est d'aller sur ce qu'on appelle des credit linked notes, des CLN, des produits structurés, des obligations synthétiques. Par exemple, en ce moment, il y en a une qui est intéressante. Sur Rally. Aller sur un CLN Rally, ça peut rapporter un taux de 4% net. Donc on est sur des rendements qui ne sont pas plus élevés que ce qu'on a dans l'immobilier, mais ça permet d'avoir une diversification supplémentaire. Et donc ça, c'est intéressant. Aller chercher cette diversification du risque. D'accord. Très bien. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions à ce stade-là. Donc, je propose de fermer la session actuelle. Vous aurez la possibilité de retrouver l'enregistrement, cette fois-ci, de ce live, ainsi que vous le recevrez par email si vous êtes inscrit par GoToWebinar ou directement sur notre page Facebook. Mais vous la recevrez également si vous êtes inscrit à notre newsletter dans le cadre de notre prochaine newsletter. Merci beaucoup et on reviendra certainement vers vous pour tout au long de l'été vous proposer d'autres lives de ce type en espérant qu'on ait répondu à vos questions. N'hésitez pas à contacter nos conseillers, à les appeler au 0800 800 505. Vous pouvez accéder directement à votre conseiller ou par mail à conseiller@bienprévoir.fr. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous.